même pas la peine d'aller venir. Oh, regardez. Je suis pas ton pote ou Guillaume. Bonne chance pour la suite. Et pour Charlie, tu peux l'enlever de ta liste des petites mains. Elle ne travaillera plus avec la mano. Ça marche. Il sous pas Guillaume. Il était lisse qu'elle m'a mis. Vas-y. Désolé, je suis aux OMS, je dois te mettre en attente. Je lui ai donc dit, pas la peine de revenir au quartier. Il sous pas ton pote ou Guillaume. Bonne chance pour la suite. Ok, ça marche. Si elle veut discuter de la situation, qu'elle revienne comme une merde. On vous a contacté, monsieur K, et j'imagine que c'est toi. Ouais, de peu donner ton nom des fois. Bon, on nous a dit que vous essayez de vous mettre en place. On essaie de monter un petit business, oui, à notre rythme. Tous les deux, on s'est associés. Nous sommes en collaboration avec les Lost. Et nous essayons, voilà, de nous installer, de trouver notre place, disons. Ok, vous proposez quoi? À l'heure actuelle, on distribue de la cam dans les rues. Je ne vous cache pas qu'effectivement, nous avons eu connaissance de l'existence de votre groupe, évidemment des Vagos également, que nous ne connaissons pas, et qu'on se disait bien qu'un jour ou l'autre, il serait intéressant de se rencontrer, ne serait-ce que pour discuter. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur nous ? Que vous êtes arrivé il y a peu, et que vous grossissez vite, très vite. Là-dessus, on ne se connaît pas énormément de choses sur vous. C'est que vous recrutez également des vendeurs. Voilà, moi personnellement, ça me pose pas de problème. Les vendeurs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent travailler avec vous, c'est tant mieux. C'est le business. Ensuite, je vous avoue que ça fait qu'une semaine que j'ai entendu personnellement parler de vous. Et je suis assez étonné d'entendre maintenant si souvent parler de vous. Vous êtes vers quel coin, vous ? On aime bien travailler un peu nord-ouest, attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est vers 71-70. Après, c'est pas forcément un endroit qu'on revendique, on sait où on est, on sait où on en est, et que c'est pas forcément le moment de sortir nos balls si on n'a pas de quoi les tenir. On va devoir mettre ça plus tard, je suis désolé. On se verra plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée, on doit y aller, on a une urgence à y aller, Pablo. Si. Ouais, Pablo vous recontacte quand on fasse ça dans l'après-midi. Bien sûr, pas de problème. Je suis désolé, on a une urgence, merci. Ok, c'est un plaisir, tout hein. À bientôt. Au revoir. Hey, c'est bon, garde-toi là. Ok, vous êtes que deux? Si, là aujourd'hui, cet après-midi, on est que deux, c'est pas un souci. Ok. On sera quatre au total, mais on va venir qu'à deux. Mm-hmm. Tu me suis avec ton 4x4 ou vous venez avec la bocane aussi? On amène les deux, c'est une sécurité. Comme ça, s'il y a besoin d'aller taper vite et fort sur quelqu'un qui nous épie, la moto, ça va plus vite. Ça marche, bon, on monte à 2x4 alors. Ok. Tu me suis? Pas de soucis. Oh, le champ est derrière là. Si. Le mec qui est avec moi, c'est Smith. C'est le mec qui vous a prévenu pour rester hier. Si, d'accord, merci à toi. Mais normal, hein. J'ai eu l'info à le croiser, hein. Transmet. J'ai rencontré une personne qui bosse pour toi, Monsieur K. Monsieur K. Monsieur K. Je sais pas, il est venu nous voir pour nous dire qu'il faisait du business et qu'il était en partenariat avec les Lost. En partenariat avec... Oui, j'ai l'impression qu'en ce moment on nous prend pour Microsoft et tout ça, avec les partenariats. Ouais, sérieux? Je crois savoir qui c'est alors. Un chinois? Si. Ouais, il est associé qu'un mexicain ou un truc comme ça. Ouais, c'est un petit peu tout n'importe quoi. Ouais, il bosse avec nous. Et il a dit il veut faire du business. Je lui ai dit qu'est-ce que tu proposes? Il m'a dit je sais pas. C'est quand même compliqué. C'est compliqué de vouloir faire du business sans savoir. Il dit tu as des prix, tu as quelque chose. Il m'a dit je sais pas. C'est un autre problème. Entre ça et les petites mains qui des fois se prennent pour les cadors, c'est compliqué. Ouais, non, on a arrêté comme ça aussi. Bon, alors on règle vite le problème. Il bosse bien, les petits, tu l'as rencontré, les Kim. Kim. Il prend les sacs de soupérettes, il fait aussi toute une partie de blanchiment. Je l'ai jamais vu. Il va te les présenter. Il répond pas. Il te donne son numéro, tu l'appelles de ma part, c'est pas un souci. Et par contre, tu vas rien comprendre à ce qu'il dit. Il a un accent coupé au couteau. Du coup, vous faites pareil pour les Vagos, c'est ça? Si, je trouve que c'est une bonne chose. On n'aurait pas une raison des petites mains. On les paye à l'aide dope. Mais là, c'est une possibilité qui est intéressante. Après, si on a une bonne prix, mais une vraie bonne prix, on n'est pas à payer. Ça dépend combien t'en achètes. Hein. Si tu m'en achètes 2000, on peut s'arranger pour baisser le prix. Moi, je pense qu'on peut peut-être aussi organiser un moment, une fois dans les mois,
une espèce de rassemblement de tous les gangs de Los Santos. Mm-hmm. Un moment où tout le monde se voit pour le ballet business. Ça peut être très intéressant, ça. C'est un moment de démonstration de force aussi. C'est joli. On voit qui est allié avec qui. Une seule des barbecues qui peut vite balter en couille. Ouais. Vous avez combien de gars à peu près pour écouler, là? Autant que tu veux. C'est pas un souci d'écouler. On peut même, si tu veux, si tu manques des petites mains, on peut même faire des dépôts-ventes. C'est possible, ça. Pablo va nous monter un plan financier. Il adore faire ça. Ça peut m'intéresser. Moi, je vous importe 500 sachets, vous les vendez, vous prenez votre part, vous me donnez le reste. On va réfléchir. Pablo, tu me réfléchis à un plan possible. Pablo, il reçoit un message de Charlie, il te dit après. Elle s'excuse. Elle me dit, il ne voulait pas te manquer de respect. Il m'excuse si tu l'as pris comme ça, Miguel. Kim, comment est-ce? Salut, ça va toi? Si, ça va bien. Il a donné ton numéro à un ami qui tient un gang de motos. C'est un club de moto qui fait de la moto, qui cherche régulièrement à vendre des sacs et peut-être à nettoyer un peu son ayant. Oh, bah t'as quoi ta mère? T'es qui? T'as ton monde? Le seigneur Teller. Il va t'appeler. Il t'appellera dans l'après-midi. Oh, bah t'as quoi ta mère? Pas de nom. C'est un très bon gang de moto. Un bon business pour toi. Ok, bah devrais appeler directement, on va pas tout dire. Il voulait te dire que Pablo m'a dit, mais la somme qu'on t'amène, c'est pas 3 jours. C'est une seule journée de boulot. Ouais, t'es commandé, ouais. Oui, on ne peut pas faire mieux que ça. Mais t'es pas de là, moi, pas de problème. Bah, les soucis. Ah, de tout payer d'un coup, il n'y a pas de vie. Par contre, tu ne peux pas faire ça 2 fois tous les jours, mais une fois par d'autre, bon. Tout va bien se passer. Ouais, pas de problème, pas d'inquiétude. Bon après-midi, Kim. Ouais, à toi, t'es Miguel. On t'appelle quand on a fini de transfert, on t'apporte tout. Et puis, ou chez moi, ou chez vous, comme vous voulez, vous nous dites, c'est pas un souci. On va venir chez vous. Il y a 675 pochons. Il y en a 270 pour nous. C'est pas énorme. Ok. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà un début. Si, Smoke. Si, Hermano. Et il y a une idée intéressante, je pense que tu vas aimer. Mm-hmm. Il y a un problème actuellement, c'est que vous n'aurez pas assez de sous à cause des petites mains. Nous, on a les petites mains, mais souvent, on manque de cargaison. Mm-hmm. Et si on faisait un système, vous récoltez, vous transformez, vous nous déposez. Sur chaque vente, 20% va à la blanchisserie. 30% pour les petites mains, 25% pour les vagos et 25% pour la mano. On fait une gestion et centralisation des petites mains et de la drogue en 2 étapes, vagos, mano. Ce qui fait que toute vente, tu touches, tu pars dessous. Bah écoute, je fais valider ça par mon comptable aussi. Si. Et puis on se rappelle. Il est proposé pour information les mêmes systèmes au Lost. Moi, je pense que c'est pas mal comme ça, non? Non, ouais, c'est bien. Tu fais valider et tu me donnes une réponse. Ouais, ça marche. Allez, putain, la Buccaneer, putain, vous cassez les couilles, laissez la putain de Buccaneer tranquille. Yo, arrêtez de casser toutes les caisses. Salut. Et te laisse discuter avec ceux qui cassent les voitures. Ouais. Il y a Charlie qui m'a envoyé un message pour s'excuser. T'excuser de quoi? Et d'avoir encore glissé. Il lui dit, parce qu'il doit voir le seigneur Terrell, qu'il les met en attente 2 secondes, et me renvoie un message pour me dire « Il peut pas te répondre maintenant, il est sous OMS, il te met en attente. » Il dit « Je suis pas ton copain. » Elle veut y aller définitivement aux OMS ou comment ça se passe? Il faut qu'elle comprenne comment ça fonctionne, qu'elle peut pas faire ça. Tu veux que je m'en occupe? Oui, tu vas t'en occuper. Tu vas parler avec elle. Tu vas raconter à Ellie avant ce qui s'est passé, parce qu'il est pas saoul d'avoir... Il faudra qu'on parle à Guigui aussi. Ah, tu veux que je fasse ce passage-là aussi? Pourquoi Guigui? Il s'est passé quoi ce week-end d'ailleurs? Ouais, j'ai pas demandé encore de débrief. Bon, le débrief, je commence. Bon, je la refais, désolé Miguel, mais je la refais. Du coup, samedi. Tu m'as dit que c'est une personne sérieuse qui allait volter peut-être les blousons. C'est plus que compromis. Donc tu me fais un point avec elle. Si elle comprend, c'est bien. Si elle comprend pas, il veut pour l'avoir. Même en petite main. Si elle veut pas comprendre et pas écouter, elle ira bosser avec les Lost ou quelqu'un d'autre qui voudra juste d'elle pour les boobs. Moi, ça m'intéresse pas. No job in job. Et de l'autre côté, Ice-T bosse beaucoup. Beaucoup trop, des fois. Ça fait maintenant 2 ou 3 fois qu'il demande de déléguer. Vous êtes 3 à gérer la partie de drogue. Ice-T court partout sans vous demander. Donc, il faut à un moment donné que ça bosse pour tout le monde. Donc, et il est maladroit, mais il est bosseur. Et s'il doit choisir le demain entre Ice-T et Charlie, il est tout Charlie. Ice-T, c'est une mano. Charlie, c'est personne. Je vais juste rebondir sur le sujet ici, Charlie, je m'en bats les couilles. Après le week-end que j'ai passé, la confiance envers ici, je vais être honnête, hein.
Moi, elle est en train de chuter. Hein. Parce que là, j'ai passé un week-end. Je vous le conseille même pas. Concernant Charlie, vous lui expliquez. Expliquez-lui pas gentiment. Expliquez-lui, c'est la rue. C'est comme ça. Ou aujourd'hui, elle tente et surtout, elle rattrape ses conneries en bossant encore plus dur. Ou elle peut laisser faire foutre. Mais si un jour, elle veut envisager et rejoindre la mano, il va falloir qu'elle le monte encore plus. Bon, du coup, 300 pour vous. Voilà, impeccable. 4-4 là. Impeccable, 300 pour vous. Super. Et il réfléchissait à ça. Je pense, une question de respect, si on fait les 25-25%, tu sais, le problème c'est que vous n'aurez pas accès à la compta. Et la question c'est ce qui nous nique pas et vice versa, etc. Je pense que le mieux c'est qu'on vous achète avec un prix intéressant, style combien pour 1500 par semaine. Moi ce que j'ai réfléchi c'est on part sur une base de 1500 par semaine. Mm-hmm. Tout ce qui sera au-dessus de 1500, si vous en prenez 2000, on fera 500 à prix réduit. Et les 1500, tu parles sur le combien? Entre 60 et 70 pour moi. Et au niveau de 55, 60 pour tout ce qui sera au-dessus de 1500. Si, seulement si vous prenez en grosse quantité, ça sera si, ce prix-là. Si. Est-ce que vous pouvez stocker une partie des quantités? C'est-à-dire qu'on vous paye toutes les semaines pour les 1500. Et derrière, ouais. En fait, on vous récupère par 200, 300 et comme ça, on ne vous prend pas tout d'un coup. C'est possible ou pas? Ça peut se faire. Ça évite que vous aussi... Merde, pardon. Oh là là, on daltabisme. Je suis désolé. Vas-y, envoie. Envoie dans le sens. Ah, comme ça, on est quitte. Il n'y a pas des mauvais, tu vois. Toi, la main lourde. Ah, là. Ok. Et ça évite que vous baladiez avec 1500 de cocaïne sur vous. Ça serait con, ouais. Ça me paraît... Donc, si on peut espacer, on dit 1500 par semaine de cocaïne. Ça fait 500 en 3 fois. Ça me paraît ok, moi. Ça me paraît ok aussi. On dit quoi? On me coupe la poêle entre 60 et 70, ça fait 65? Ouais. Pour 1500. Ça fait 97 500. Allez, 100 000. On dit 100 000 et 1500. Ok, ça marche. Donc, vous venez plus sur le champ, si j'ai bien compris. On s'occupe de la récolte transfo et on vous fournit 1500 semaines pour 100 000. Exactement. Ok, oh, c'est carré. Allez, on va comme okay. Ça. Super. Okay, ça marche. Merci à vous. Bon courage. Bon après-midi. Il y a Benito qui voulait te voir, mais eux, c'est pour demain. Et ils veulent te voir, ils sont trois, ils veulent oui, te voir. Ils veulent une blouson, mais ils veulent que pour le pognon, donc ça m'intéresse pas. Il faut des gens qui ont envie. Tu m'as dit que Tim, il a envie. Ouais, moi, j'en ai trois, ce qui peut être bien. Il y avait Charlie qui bosse très très bien, mais un problème de comportement. C'est cette histoire qui casse tout, en fait. Bloque, c'est l'histoire avec IC qui bloque tout. Donc, en fait, faut mettre cette histoire au clair, parce que sinon, ça va niquer tout dans les deux sens. Ça va être assez simple. Il va me retourner vers la personne en qui il a le plus confiance au monde. Ellie, chope Charlie. Fais un point, dis-moi si on peut avoir confiance et bosser avec elle, ou l'envisager comme Bombers, ou si ça doit dégager Manu Militari. Ok. C'est toi qui as son avenir. Un instant, Ellie, viens voir. Il y a un message qui dit « On te regarde, continue comme ça, peut-être qu'un jour, on se verra, man. » Je pense que c'est un message des... Je vais vérifier le numéro, mais des cartels. Je vais demander à Smoke. C'est un numéro des cartels. Smoke, comment est-ce? Si, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Le numéro que tu m'as donné? Oui. C'est mon boss. Ok, comment il s'appelle? Ryan Benson. Ryan Benson. Qui est des cartels? Si. Il m'a envoyé un message pour dire on te regarde, continue comme ça et peut-être qu'on se rend compte. Bah c'est bien gros, c'est cool. C'est une bonne chose. Je vais te faire une proposition intéressante. Toi ton comptable ou pas? Ouais. Si, comme ça tu peux venir avec, ça évite que tu vois quand on discute. Mais je pense qu'il a trouvé une bonne chose par à vous et pour nous, pour les deux. Si? Mais bah, on en reparle. Et dans 10 minutes chez nous? Ouais, on peut. Ils se font dans la masse, les Nico. Ils arrivent en marchant tranquillement. C'est une espèce de caméléon. Bonjour, monsieur Miguel. Hola, Nico. Tu te fonds dans les paysages? Oui, on me voit jamais. C'est vrai, c'est une bonne chose, ça, qu'on te voit jamais. C'est pour ça que tu vas jamais à la police quand tu vends des drogues? Oui, il me voit jamais. Tout à l'heure, j'ai vendu... Juste à côté du Bénise, il y a plein de voitures qui sont passées, il n'y a personne qui m'a vu. Hola. Hola, comment ça va?
Ça va et toi? Si, ça va, ça va, ça va. Il est ça pour toi. Parce que les bons comptes font les bons amis. Question. J'ai trouvé une alternative intéressante. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a une liste pour toi, une liste pour moi, de faire les go fast. Et aussi, je veux pas que demain, tu puisses te demander si c'est pas à cause de la mano que ton champ, il y a un problème. Donc ma proposition, pour que ça soit le plus propre possible, c'est de t'acheter ta dope. Par contre, il me faut un prix correct. Moi, dans l'idée, on en a parlé avec, avec mes gars. Dans l'idée, en soi, ça nous intéresse même plus de ne pas faire d'argent dessus. Mais le 50-50, on voit bien. Tu vois. Toi, tu pourrais faire une 50-50. Si. Parce que chez nous, les affaires, au final, elles tournent bien. Je pensais qu'elles tournaient moins bien que ça, tu sais. Si. Comme dit, la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Si. Là, j'y comprends plus rien. Mais au final, j'ai regardé la compta cet après-midi. En fait, ça s'est bien passé. Au final, là, cette semaine, on va être beaucoup plus présent. Là, j'ai fait monter des gars et je leur ai donné un t-shirt jaune pour commencer. Donc, je vais avoir un peu plus de présence. Il ne va pas te mentir. Tu sais qu'il est sous téléphone par rapport à ça. Avec les Lost, ils me font les pochons à 65$. Ce qui fait qu'une cargaison des 1000 pochons, ils payent 65 000$. Ils font une livraison plusieurs fois. Mm-hmm. Moi, ce que je veux, hermano, c'est qu'ils valorisent plus les Vagos que les Lost. C'est la famille. C'est pour ça, j'ai trouvé que c'est une bonne chose qu'ils te l'achètent et derrière, ils font une marge dessus. Pero, voilà, on peut continuer de 50-50, mais imagine qu'il y a une couille. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets de ton go fast et de stock, tu gagnes facilement, je ne sais pas, sur le prix que tu me fais. Et tu payes en propre, hein. Il est bien dit en propre. Si tu arrives à me faire une 65 ou même en dessous, c'est une possibilité de quasiment 100 000$. Storm, avis de comptable. Déjà, à combien on peut sortir? Moi, nous, on vend pour les autres à partir de 1080$. Donc 65, c'est pas non plus dégueu. De mon point de vue, hein, le moutmout, t'es pas mal dans le sens où... Ah, on est d'accord que je suis bien. Moi, de toute façon, il va acheter des pochons à la... Moi, c'est pour vous, en fait. Vraiment, moi, il y a tout intérêt à fermer ma gueule et dire, on fait moutmout. En fait, ce qui aurait pu être encore plus intéressant, c'est... On fait un gros convoi qu'on est tous ensemble, on va tous récolter et on fait moite-moite. Là, tu auras bien plus de 1000 potions. C'est ok pour moi. On est un gros convoi, les filles qui feront rien à 7-6, même si à partir de 6-4-4, ils feront rien du tout. Moi, je pense que les chiens actuellement sont surveillés, mais. Limite, on fait un survol en hélico. Ça, on peut faire aussi. Survol en hélico, un bonhomme dans la montagne avec une motocross au-dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de flics qui squattent en haut dans la montagne. C'est ok pour moi. On met ça en place pour 23h. Allez. 23. Et préparer une 9 mm. Si t'en faut, on va en acheter. Enfant, ok. Il demande. Les gars, qui a pas d'armes? Moi. Dos, s'il te plaît. Ellie? Y'avait pas vous que c'était la cargaison? Bonsoir. Bonsoir, j'ai une cargaison pour la mano. Si, c'est ça. Tu peux mettre les vannes en marche arrière, on va les mettre là-bas contre les Sun King. Ça suffira, je pense. Y'a pas de soucis. Si, et après, ils te payent. Y'a pas de soucis. Ils pensent qu'une cargaison tous les deux jours, c'est bien. On a commandé 1000 cette semaine, et on verra la semaine prochaine de combien on prend. Y'a pas de soucis. Si? Ok. Et si, j'ai pas suivi. Est-ce que. Parce que là, c'est compliqué avec Ellie, elle a fait un point avec Charlie? Oui. Et alors? Elle veut s'investir. Mm-hmm. Elle a dit après, voilà, le seul truc que si je peux vous demander un truc, c'est en mode si je suis avec vous, elle veut plus de problème avec Guigui. C'est pas ce qu'on demande, mais on m'en fout ça, moi. Non, mais c'est ma question, c'est est-ce qu'elle a compris les. Ah oui! Les bordels, parce qu'à chaque fois, elle y a compris, mais. Ben, j'espère qu'elle a compris cette fois. Je sais pas si elle dit. Ah bah, y a Charlie qui est dispo en plus. Vous avez une arme sur vous? Ouais, oui, c'est bon. Ok, je veux qu'à partir de aujourd'hui, tous les membres de chez nous soient armés. Ok. Je m'en fous que la police ils disent qu'il n'y a pas le droit. Ok, ben il faut un peu de prison. Mais je laisse plus le quartier les gens sans qu'on ait une arme et prêt à s'en servir et à tuer. Charlie. Oui, Miguel. Comment ça va, Charlie? Ça va. Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. J'ai été maladroite et le but n'était pas d'être irrespectueuse. C'était idiot.
Tu ne peux pas à chaque fois que quelque chose te plaît pas parler aux gens de cette façon. Et la seule chose qui te sauve, c'est même pas que tu es une femme, c'est qu'il était promis de t'aider. Je m'en fous que tu sois une femme, un homme, un haricot. Si tu te comportes mal avec moi, je mets fin à tes souffrances. La seule chose qui fait que j'accepte de te voir, c'est qu'il est promis de t'aider. L'histoire avec Ice-T, il n'est pas encore vous, pero je comprends pas que tu chouines. Tu lui dis c'est non, et puis c'est tout. Est-ce que je peux te répondre à ça ou pas? Si. Je lui ai dit non 2 fois, mais il m'a dit que comme il était au-dessus de moi, qu'il n'avait pas à recevoir d'ordre de moi. Il veut d'abord écouter Guigui. Il n'a pas le temps de l'envoi. Bien sûr. Du coup, je dois récupérer de la canne maintenant. Si. Il n'y a toujours pas de travail. Ouais, je vais te donner ça. D'accord. Oh. Eh bien, je crois qu'il est derrière vous. Ah, bonne nouvelle. C'est bien, ça saigne pour le gros convoi. Comment ça va, Esti? Ça va, et vous? Bien, il t'entend mal. Salut, vous allez bien? Ça va? Oh, ça va, ça va. C'est... J'avais envie de chanter, Guigui. Assieds-toi, faut que je te parle. Il a passé ma journée dans le noir. D'accord. Il le sent, il le sait, il le suit, il se fout de moi. Si, il va falloir qu'on discute, Guigui. Il y a un problème? C'était les bordels ce week-end, non? Un petit peu, ouais. Si, je vois que c'était les bordels. Il y a plusieurs problèmes. Premier, c'est qu'il était demandé de déléguer, tu délègues pas assez. Tu cours partout. Tu fais tout seul. Tu bosses bien. C'est pas un souci, tu bosses bien. Pero, en bossant comme ça, il y a un moment où tu burn-out. Et quand tu burn-out, tu fais de la merde. C'est vrai. Aller dire à un lost que tu es en prison qu'il faut qu'il nous le dise. Ça, ça va. Mais que tu t'es fait attraper en faisant sur le champ de weed. Mais c'est pas son problème! Pourquoi tu ouvres ta gueule? Moi j'ai un gros problème, c'est l'histoire qu'il y a avec Charlie. Ah, oh, mais ça c'est réglé, j'ai mis les choses. Non, c'est pas réglé. Si, si, c'est réglé. C'est non, réglé. Non, c'est pas réglé. Ah, ben si. Ben, elle est même allée demander à Pablo si c'était vrai qu'il m'avait dit maintenant tu mets Fonzo, bouge pas quoi, de côté. Et maintenant ses petites mains, elle apporte la cam, tu la payes et basta. Et ça je lui ai dit. Et elle est allée demander la confirmation à Pablo. Moi, je comprends pas comment tu peux être à la fois un des meilleurs éléments de ce groupe et le Gaston Lagaffe qui fait les conneries sur les conneries. Toi, à la fois, le meilleur de la mano et le pire. Est-ce que tu peux trouver un juste au milieu? Je pense qu'une grande conversation entre toi et Pablo serait bien. Que je sens qu'il y a des tensions entre vous. Il y a eu beaucoup. Des tensions, je sais pas. Mais en tout cas, il est clair que. Parce que. Bon. Comme t'as dit, je suis le pire des fois, hein. Mais je suis pas complètement con non plus. Moi, la question, c'est est-ce que toi as été un forceur et tu as fait des propositions indécentes à Charlie qui t'a dit non à plusieurs reprises? Alors, franchement, forceur ou proposition, je vois pas, non. Les seuls trucs qui me viennent où j'ai. Enfin, que j'ai dit et qui peut m'être reproché, c'est les deux blagues du style que j'avais fait à Ellie, quoi. Mais autrement, j'ai pas vraiment été forceur, donc enfin, pas en mon sens. Est-ce qu'elle t'a ou elle t'a pas dit non, tu arrêtes ou stop? À la fin, hier. On n'est pas des animaux. Je suis le premier à dire que nos jobs in job. Donc je veux que tout le monde trouve les juste au milieu. Je ne suis pas un animateur de BAFA. D'un côté, il pense que toi, tu es parti trop loin, tu te voyais déjà avec elle. Et que tu es peut-être un peu maladroit. Et de l'autre, je pense que Charlie va falloir qu'elle comprenne que c'est pas parce qu'on a une paire de boobs qu'on peut aller chouiner pour avoir tout ce qu'on veut. Je suis pas un débile. Je pense qu'aussi bien que toi, comme Pablo, elle vous intéresse. Et qu'elle l'a bien compris. Ellie, est-ce que pour toi le sujet est clos? Dis-moi. Oui. Alors si c'est clos, il n'y a plus rien à dire. Je te laisserai faire un point avec Pablo. Mais les animosités entre nous, ça suffit. Pour une fois, après, vous vous préparez, on doit bouger. Il faut vous prendre à manger, à boire, des antibiotiques, une arme. On va voler 2 ou 3 4x4. Et après, c'est Valti Kiki, on va sûrement faire un des go-fast dangereux. C'est bon, ça. J'aime ça. Pour info, j'ai été avec Smoke, on discutait. Il voudra parler, mais il y a actuellement 2 hélicos flics qui tournent. Ils sont pas mal chauds. Donc il voulait savoir avec toi si t'étais toujours ok et ça peut risquer de partir en couille si
peut nous bloquer les champs. Mais il est prévenu de ça, il m'a dit on s'en fout, on est des fous. Du coup on est peut-être 7 et pas 4. Et nous on est 5. Nickel. Par contre on a peut-être un seul souci. Si. Il m'a dit qu'il y a deux hélicos de police dans les airs. Si. Il faut qu'on trouve un moyen de les... Le seul moyen, tu sais ce que c'est ? Faire sonner toutes les supérettes de la ville. Bon, on peut mettre les petites mains là-dessus. Il faudrait qu'on ait un véhicule. Ouais, voilà, pour avec que vous faire, on peut faire la diversion. Mais... Faut trouver un moyen de faire une diversion. Genre, faut faire sonner toutes les supérettes de la ville quand on monte et quand on descend. Peut-être encore plus sympa. Des coups de feu à côté du Beniz. Tu fais des coups de feu à côté du Beniz, tout le monde va répliquer. C'est une bonne idée, une fois une personne. Bonne nuit, appelez-moi Nico. J'espère juste que Nico, il est pas mal fait le dodo. Tu vas essayer de l'appeler ? Putain, là ! C'est génial ! Ouais, ce mec, c'est un ninja ! C'est un ninja ! Nico, on a une mission pour toi. On va te payer ce soir. On va te donner une arme. Il y avait juste que tu tires des coups de feu régulièrement dans des lieux connus pour que la police vienne. Donc l'idée, c'est qu'on va te dire un lieu où tu vas te mettre. Tu vérifies qu'il y a du monde et tu tires. Quand on te dit feu. Ok ? Tu tires en l'air ou contre un mur. Faut qu'on t'entende. Ok ? D'accord. Bozo, t'es nos yeux, tu pars en avance. Tu pars, je te rejoins en ouvreuse. Au Bénise, il y a des camions du pétrole, hein. Je vais essayer de pas tirer dedans. Il y a un peu plus haut, il va tuer tout le monde. On va passer par le Vinewood. C'est un tour. Il y a des clans, la diversion. Nico. Oui. Tire 4 ou 5 balles en l'air. Tu te caches et tu nous dis quand la police arrive, il faut que tout le monde entende. D'accord. J'entends pas les sirènes, je vais réessayer un autre endroit plus proche. Trouve un autre endroit, tu tires trois autres fois. Sur la radio commune, on va monter au champ. 69, c'est reçu, j'ai un visuel sur la montée du champ. J'ai tiré juste devant la grille et je suis parti. Imbécable. Ok. Ah oui. Là, il pouvait pas faire le plou. Ah non, là. Là, c'est compliqué de faire le plou. Sur 769, 4-4 qui rentre vers le champ, est-ce que c'est... Moi je suis en train de monter actuellement. Deuxième 4x4 sur la montée. On est parti, on charge. Deux 4x4 arrivés, on commence à charger. Nico, qu'est-ce que ça donne ? J'entends pas les sirènes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi la police ? Ils en ont rien à foutre des tirs. J'entends des sirènes, mais je sais pas si... Je vois des sirènes là-bas, mais je crois que c'est les médecins. Ça se trouve, il a touché quelqu'un sans face. Tire sur les médecins. Tu passes à côté des médecins, tu mets un tir en l'air ou une chose comme ça. Ils ont l'impression de se faire attaquer, ils vont un peu à rescousse. L'ambulance, elle est partie, mais j'ai vu rien d'autre. Mais comment ça ? Tu tires sur l'ambulance, tu tires sur le bénis, y'a pas la police ? On lui dit, bah, je Nico, sais pas si Nico, essaie. Tu vas à côté des... À côté du bénis, y'a une station essence. Tu prends l'arme, tu te mets loin. Et tu tires sur une des stations, ça va péter. Très loin. Ouais, elle est sympa, plusieurs. Pardon, j'ai tiré sur un camion du Wizen News qui est rentré dans le Bénis. c'est parfait. Nico, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tiré sur les Wizen News ? Bah, si t'as un camion qui est rentré, j'ai parqué, j'ai parfait, vu après. C'est parfait, ça, c'est une bonne nouvelle. Si jamais ça vient pas, la police, tu m'exploses une station service. Fais-moi péter la station service. Tu vises la pompe et tu lui mets un bon gros coup de cartouche dedans. J'ai pas encore tiré sur la station service, il y a une voiture de police dedans. Fais-la péter, je m'en bats les couilles, tire sur la voiture des polices. Je crois qu'ils sont sourds. Mais non, mais c'est pas possible, Nico, tout est sur une voiture de police, ils n'entendent pas non plus. Il y a une voiture qui commence à charger dans la station, je crois qu'ils ont peut-être entendu. Ça se cache derrière la station. Et il y a une deuxième voiture qui arrive. Je me suis caché dans un arbre, ils m'ont pas vu. Bon, les clodos, il est caché en face d'eux, dans un arbre, ils l'ont pas vu. T'as dit, c'est une... Et ils peuvent marcher devant eux, ils vont lui dire pardon, monsieur. Nico, comment ça va ? Je suis dans le Bénise. Tu te caches, une petite île, les trois balles qui restent en l'air, et après tu dis « Oh mon Dieu, il y a des coups de feu !» et tu cries « Vite, appelez la police !» Il n'y a pas de policiers au Bénise, et il y a le Wizen News. Mais ils ont entendu des coups de feu ou pas ? Je crois qu'ils n'ont rien entendu, non. Mais comment ça, tu tires au milieu du Bénise, il n'y a personne qui entend rien, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Sur 769 confirmations, il y a une ou deux courses-poursuites en même temps. Dans le sud, une motocross qui se fait poursuivre par deux véhicules, BCSO plein et RSPD plein, 3 ou 4 personnes à bord. Et les hélicos sont où ? Hélicos au-dessus.
Méga hélicoptère, méga hélicoptère, attention, il est pas piloté depuis des années. Oup, 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 oup. Situation Grapside. Il fait 19 degrés, le soleil se couche. Tout le monde est parti? Oui. Oui. Attention, il fait décoller 2 F-16. Il vient de faire sonner la prison fédérale, il y a 2 F-16 qui vont décoller. Ça va alameter toute la police, mais aussi l'armée. Donc, il me casse. S'il vole suffisamment à la rasmotte, il y a des escaliers. C'est quand même un peu dangereux ce qu'il a fait. Il faut y éviter les F-16. Et pour éviter les F-16, il faut y soit le plus bas possible. Comme ça, il est sous les radars. Il bouge, ça va tirer la police, l'hélicoptère, dans les zones. Il va les mettre un peu plus loin, il les abandonne et il revient voit tout. Hélicoptère déposé devant chez les taxis. Bien pris. Félicitations les gars. C'était lourd, coordonné et bien mené. Yeah, Rolian, t'es dans le coin, noir? On est en route pour le quartier là. Si, il y a la queue. Il y a plein de monde. Prenez de quoi ravitailler. Ok, c'est bien reçu. Ah mais c'est la folie ce soir, ils veulent tous de la drogue. Si, 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 ça tourne bien, ça bosse, c'est une bonne chose. Là, ça va repartir. Derrière, on a fait combien? Des 570 pochons? Non, des kilos? Non, 570 kilos. Combien des pochons, potentiellement? Il m'a dit... Il a dit quoi? 5 têtes Smoke, par... Smoke, combien des pochons, potentiellement? 1444 pochons. 772 parfois par groupe. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on vend tout à valeur haute, on a pour 200 000. Nico, tu te parles d'où? Non, je suis dans le parc, monsieur Miguel. Il est où? Il est là! Trop fort. Nico, t'es le meilleur! Tu sais, t'es le meilleur! Faut que je vous rende votre. Si, tu vas le mettre. Viens avec nous, tu vas le mettre dans les coffres. Ça, c'est pour toi. Il sait, c'est un peu beaucoup d'argent, Piero, tout le mérite. J'ai jamais eu. Excusez-moi. Ça va aller, Nico? Ça va aller, Nico? Pardon, c'est l'émotion. J'ai jamais eu autant d'un coup et en plus. Il y a aussi tout à l'heure avec le pistolet, j'ai eu peur un peu. Ça va aller, Nico. Tu vas bien bosser, c'est bien. Quand tu bosses bien. Merci. Comme ça, il te donne des sous comme ça. Tu vas donner une personne. Merci, monsieur Miguel. Petite rectification, mon comptable est fatigué. Il y a 700 kilos de vide. 1700 pochons à peu près. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de boulot pour toi, Nico. Et ça, c'est une petite somme, ce qui a été donné ce soir. S'il faut, on te trouvera les doubles et triples. Oui, je pourrais même acheter une vraie maison. Une vraie maison, rien que pour toi. Monsieur Miguel? C'est Nico. Tu crois que je pourrais aussi acheter un bateau pour retrouver ma famille? Si, c'est vrai qu'il y a ta famille qui est partie en bateau. Je pense que c'est possible. On va te trouver un bateau. Et quand tu veux venir avec ton camping-car, tu peux te mettre par là. Comme ça, tu as les yeux et les oreilles de mon quartier. Hola, Milo. Bonjour, Miguel. Il paraît que tu es prêt à envisager l'avenir. Ouais, Pablo m'a discuté un petit peu et il me disait que comment je voyais l'avenir et tout. Moi, je lui ai répondu, bah c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de savoir, enfin c'est à vous de me dire si vous me faites confiance, etc. Au-delà, c'est toi où tu te vois. Il paraît que tu veux pas faire les soupelettes parce que ta tante bosse dans une soupelette. Ouais, c'est ça. Et si il te dit que demain il n'y a pas le choix, qu'est-ce qui se passe? Bah, si j'ai le choix de choisir d'être chouf ou d'être dedans, je préfère être chouf. Si, mais si il te dit, il n'y a pas le choix, tu vas dedans, point. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est un boulot comme un autre. Il est besoin de savoir que demain, si il te dit d'appuyer sur la gâchette, tu appuies sur la gâchette. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je le ferai après. Réfléchis pendant que tu bosses, on se voit tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Je voulais voir si t'avais de la marchandise. Si, comment tu t'appelles? Tim. Je t'ai jamais rencontré. C'est toi le Tim? Oui, c'est moi le Tim. Le Tim qui a aidé Pablo l'autre jour? Oui, c'est moi. Tu as fait du beau boulot. Les gars m'ont dit que tu bosses tellement bien que tu envisages de... Pourquoi pas rejoindre la mano? Pour l'instant, j'ai pas réfléchi. C'est pas une décision qui est à prendre à la légère. Quand tu rentres dans un gang, en sortir, tu sors les pieds devant. Exactement. Réfléchis, Tim. Bah, je vais tâcher d'y réfléchir. Normalement, il pose les questions qu'une seule fois. Et toi, de chance, je t'ai pas posé la question.
T'es juste dit où tu te vois dans la vie. D'accord. Elle réfléchit assez pour que les jours où elle te pose la question, si elle te la pose, pour une réponse, je te donnerai la réponse. Qui te permet d'aller dans ta vie. Et te donne un produit. Tout va, on repasse tout à l'heure. Ok. Ok. La voiture, tu veux la garder? Non, si t'en as besoin, c'est juste qu'elle est galée comme une merde. Il y a la mêlée pour éviter les problèmes. Ah, ok. Bah, je la dégage plus loin alors. C'est Miguel ton nom? Si, c'est Miguel. Bah, enchanté. Enchanté, Tim. Hola. Bonjour. J'ai des billets. Si, comment tu t'appelles? Mike. Mike. Et ton nom, c'est quoi de famille? Ashman. Mais H, c'est bien H. Tu veux le bosser là ou pas? Ouais, je veux bien. Tous les 20, reviens me voir, il appelle tout d'un coup. Ça marche. Ok, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Mon groupe de Mano m'a abandonné. Je suis tout seul dans mon quartier. C'est compliqué. Il m'appelle Miguel. Avant, il était un crack. Oh, tiens, un 4x4. Vas-y, viens, amène-moi du pognon. Si. Ouais. Hop. Et merci. Bon, ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce la mano, bien mano, noir et blanc que c'est le code. Ouais, je repensais à ce que tu me disais tout à l'heure. Si. À propos de loyauté, etc. Bon, je suis prêt à prouver ma loyauté, mais à côté de ça, le fait de me demander de faire des supérettes, ça serait comme trahir ma tante, ça serait comme trahir ma famille. Et je veux pas, en essayant de prouver ma loyauté, que je peux prouver que je peux trahir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je me dis que si je suis capable de trahir une famille, c'est pour ça aujourd'hui, pour l'instant, je suis qu'une petite main, j'en ai conscience. Et que si on me donne le choix entre soit prendre une balle ou soit trahir ma famille, bah, je prendrai la balle. Ok, intéressant. Au moins, tu es droit dans tes bottes. Voilà. Salut. Il paraît que tous les trois, vous bossez bien avec Jacques et Finn. Oui. Que vous voyez l'avenir. Si on voit l'avenir, oui, on voit l'avenir. Si, vous la voyez où? En blanc et noir. Vous avez compris ce que cela implique? Plus ou moins, oui, la loyauté. Un esprit de famille. Quand tu rentres, tout seul pas. Tout seul, mais les pieds devant. Ah bah oui. C'est pas une CDD, c'est une CDI. Et on ne casse pas ce CDI, il n'y a pas de possibilité de partir. De toute façon, c'est bien mieux un CDI. Intéressant. Il te laisse aller bosser et on en reparle tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit à Jack et à un moment donné on va faire un point. Ça marche, et bien à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ali, concernant oui. Milo. Oui. Il est pas mal discuté, il le trouve bien. Je le connais pas, j'avoue, j'ai pas discuté avec lui encore. Il est pas mal. Il est pas mal ? Attention, même... je te fais 100% confiance. Il est très très bien même. Et aujourd'hui sur les listes, il y a deux problèmes. Il y a Team. Mais Riri, Fifi, Loulou, Jack, Tim, Ping, Ping, Fing, je sais pas les trois là. Jack, Tim, Finn et. Jack, Tim et Finn, c'est ça, ouais. C'est, ils sont pas mal. Mais, j'ai peur qu'un groupe, c'est pas une bonne idée. T'as peur qu'il y ait du. Genre, de groupes divisés, c'est ça? Déjà, je trouve qu'il y a un problème entre Pablo et Guigui. L'histoire de ce week-end avec Charlie, c'est un combat des coqs. Les deux font du super boulot pour la mano, pero les deux racontent un peu ce qu'ils veulent dans cette histoire. Et j'ai peur qu'à un moment donné, l'un ou l'autre me mente. Et qu'ils soient obligés de les tuer. Donc il faut trouver une solution. Je pense que c'est un problème et que Guigui et Pablo se sont pris de grippe. Pablo modifie un peu les choses, Guigui il atténue aussi les choses. Et... Je pense que, je te dis clairement, je pense que rajouter Charlie aux 12, ça va poser des problèmes. Je pense que c'est une meuf en brouille et que le moindre truc, ça va partir en cacahuète. Et j'ai peur que Ice-T se dise, ça y est, ils prennent Charlie, donc du coup, moi, Osef, quoi. Et j'ai sondé un peu aussi Roulian et Noah, et ils sont pas OP non plus. C'est pas, il trouve qu'il y a une mauvaise ambiance entre les Pablo et Guigui. Déjà, ça, c'est la première chose. Ouais, je pense qu'il faut les mettre tous les deux... Il trouve que tout le monde a appelé tout de suite les contre-pieds de dire c'est Guigui qui a fait de la merde sur cette histoire et il n'aime pas ça. Parce qu'on est une famille. Et d'abord, on valorise les notes. S'ils ont fait de la merde dans les épaules. Donc Guigui, il a peut-être agi comme un débile, mais il faut qu'on trouve une solution. Et surtout, on ne peut pas le laisser comme ça. Sinon, c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi. Et il y a une dévalorisation devant les autres. Il veut d'abord régler ça.
Donc Milo, Milo, il est quasiment saoul, il est bien, il est sondé. Okay. C'est le seul à me dire qu'il a un problème avec les braquages des soupérettes parce que sa tata elle tient une soupérette. Et il me dit, il serait pas franc dans mes bottes si je valide, il préfère vous le dire. Donc il est capable d'assumer assez ses limites. Donc c'est, je pense que Milo, pour moi, c'est une bonne personne, je pense qu'il a sa place. Et Jack, Finn, Mike, pas mal. Ils ont l'air de bien bosser, ils sont beaucoup présents et... J'ai juste peur qu'un groupe, c'est un problème. On va voir. Pour moi, pour l'instant, Milo, Jack, Finn, Mike... Et... T'as croisé Tim ou pas? Il est vous, Tim. Il est plutôt à l'aise dans ses propos. Il pense que tout le monde, c'est son copain. Moi, je m'en remets à vous, honnêtement, donc là-dessus... Nico, il ne compte pas dedans, mais il y a des projets pour Nico. Il veut qu'on l'utilise et c'est la personne qui sera propriétaire de la maison en dehors du quartier. Dès qu'on a besoin des gros stockages... C'est chez Nico. Et voilà l'association des verres. Faut lui dire de retirer son verre, lui, parce que je pense que je vais lui mettre une balle dans la tête. Et non, c'est l'association des verres. Je m'en fous, ah. C'est pas les blasons des familles. Il s'est fait déposer et tu sais, je pense que c'est le type avec qui on a mis le coup de pression. Il pense que c'est les mecs qui ont le moins de street cred de la planète. On est où? Les duos qui ont le moins de street cred de la planète. C'est qui eux? Et son chauffeur, c'est celui qui m'a pas le mal sur les manos. Donc maintenant, il s'est mis en face en mode il a peur des gravés. Eh bonjour. Hola, Seigneur Diouf. Oui. Comment va les parties d'hiver? Eh ben écoutez, ça recrute. On est en train de monter ça bien proprement. J'ai vu avec la gouverneuse pour faire un poste de recrutement avec une formidable affiche. Non, on fait ça bien, carré. Hein. Et une affiche, de quoi? Une affiche de recrutement pour le parti des Verts. Et il est où le siège? Alors le siège social, il va être vers, comment ça s'appelle là-bas? C'est Forum Drive. Ah, d'accord. Ça va, vous êtes pas trop dépaysé par la couleur. Vous allez déposer une annonce pour recruter des mains qui vont vendre des weed dans la rue? Ça va être surtout pour nettoyer la rue d'abord. Et s'ils veulent vendre de la weed, ils peuvent. Et s'ils veulent pas, bien, ils vendent pas. Mais vous recrutez une gang ou vous faites une partie politique? Ah non, c'est plus un gang dissimulé. Sous une forme de parti politique. Si, donc on est en termes de street cred, on n'est pas loin des Bambi. Des quoi? Des bambis. Des bambis? Si, les bambis qui ont tous sa maman. Ah! Ouais, bah ouais, hein. Il y en a, ils font un peu des conneries, du coup, faut la remettre dans le droit chemin. Hein. Je me situe un peu comme la maman, en quelque sorte, ouais. Votre chauffeur, il n'ose plus venir s'égarer ici? Ouais, il a un peu peur de vous, de fou. Hein. Si, il se trouve à chaque fois que je dis votre nom, il claque du cul. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Diouf? Ah, bah écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. Je pense avoir les fonds nécessaires pour faire l'acquisition de votre formidable véhicule motorisé de type van vert. Magnifique, c'est vrai qu'on a ces van verts à vendre. Et on va vous le vendre tout de suite. Et combien vous avez mis de côté? Alors je vous dis ça précisément, j'ai 9 500 $. Ah. Ah. Oh merde, c'est pas assez. Vous estimiez combien le van? Ah. Je me suis fait une idée de 10 000 moi dans ma tête. Est-ce que vous avez regardé les prix neufs? Non, pas du tout. Ah, il n'y a aucune idée du prix neuf non plus. Excusez-moi, c'est pour ça qu'il dit « Ah, c'est qu'il est cherché sur Google. Combien ça vaut une vanne comme ça ?» Mais il n'y a aucune idée. Il vous appelle, monsieur Diouf. Il vérifie, il vous appelle. Ok? Très bien. Il vous tient au courant pour le van. Il n'y a pas de van au concession Google. Merde, et parce qu'en fait, comme il est cramé, le van vert, il me dit que le van, c'est pas une mauvaise idée. Oui, allô. Seigneur Diouf, c'est ok pour des 1000 tout pile? Ah, ça c'est une bien bonne nouvelle, je suis très content. Si, il faut qu'on aille au commissariat pour faire les changements des papiers. D'accord, très bien. Mais je vous y retrouve si vous voulez. Et pas de soucis, vous contactez la police et l'Espidi pour dire que c'est pour le changement des papiers, on le trouve là-bas. D'accord, avec plaisir, je les appelle de suite. A tout de suite. A tout de suite. Miguel, t'es où? Yaliv, et toi où toi? Je vais sortir le... Enfin, je te laisse sortir le van ou faut que je vienne te chercher ou je sais pas? Sol, le van, il te rejoint sur le parking. On va faire aussi que la moto, on va la mettre à ton nom. T'as vraiment pris un corps? Oui, il y a une colle dedans, mais c'est pas grave, il y avait les planqués. Bouge pas. Voilà le van, il est beau comme ça. Smoke on the water. Et pour le wood, c'est nickel, il est vert. Ah, il est fou de ouf. Il est beau comme ça. Ah, ouais. Ah, j'avais même pas vu les jantes. Oh, mais il est incroyable en vrai. Je suis amoureux. Ah, bah tiens. C'est un bon prix, hein.
Ah, c'est un très 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 bon prix, hein. Merci beaucoup, monsieur Miguel. Là, vous me faites une fleur. Hein. C'est une belle fleur, mais c'est pas grave. Ouais. On fait du business, à un moment donné, vous appellerez une solution. Ah, bah ça, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Ah, ils sont là. Bonjour. Si. Ils ont peur de venir, non? C'est une bonne situation, policier. Oui. Vous avez une bonne mutuelle? Pourquoi une mutuelle? Et pour les accidents de la vie et tout. Oh oui. Si. C'est un peu une mafia, les SPD, non? Non. C'est la première. Il entend souvent. Non, on fait ce qu'on veut, on est la police. Oui, vu plusieurs fois les commissaires, au moment où ils prennent les enveloppes des gangs, qui lui donnent une enveloppe, ils comptent les billets. Il dit oui. C'est un bon commissaire, Dubourg, non? C'est que des rumeurs, ça, monsieur. Ah, il est vu de mes yeux, vous? Il est vous dire? Moi, il m'a fait un contrôle une fois parce qu'il y avait un accent mexicain. Et il m'a dit, il fait ce qu'il veut. Il vous dit, mais non, c'est pas légal. Il m'a dit, moi, la loi, c'est moi qui décide. Il dit, ah bon? Il m'a dit, si je suis la police, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais c'est quand même une mafia. C'est dingue. Après, s'il fait des erreurs comme ça, avec le nouveau gouvernement qui va arriver ce soir, les choses vont bouger. Parce qu'on comprendre, est, ça, monsieur. On n'est pas tous pareils. Faut pas faire une généralité. Ah non, mais imagine que vous n'êtes pas tous comme ça. Non, parce que j'ai entendu une rumeur, par exemple, en début de week-end, comme quoi les Speedy, ils tabassaient les clodos, pour reprendre les termes exacts qui auraient été cités. Si. Oui. Alors, faudra bien m'expliquer qui, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai posé la question à tous mes collègues et c'était pas le cas. Eh, c'est... Il est pas con, le collègue, il va pas dire « C'est moi, il frappe un petit clodo des merdes dans la roue, il punit, c'est moi !» Non. Il va dire « C'est pas moi. » C'est pas... Les Speedy, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. C'est pas un abruti, voilà, vous avez des collègues qui sont vraiment cons, qui ont pas passé les tests des débuts. Faut être un abruti pour dire c'est moi. Ou alors faut avoir les couilles. Un peu les couilles. Mais ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir un peu les coronas. Ah, faut les avoir. Hein. Ah, je l'aime trop ce van. Merci beaucoup. Hein. Si, c'est une bonne van, il est vert. Ah, et Seigneur Diouf, merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne après-midi. Eh ben, merci de même. Hein. À la merci. Prochaine, ce Miguel. À bientôt. Ça marche. Si, Smoke, écoute. Si. Au cas où, il y a les Lost qui ont commencé à faire une prise d'otage. Les Lost, ils font une prise d'otage. Ouais, enfin ils ont fini. Et en fait, du coup, j'ai un de mes gars qui allait les récupérer en hélico. Mais pourquoi ils ont fait ? Il m'a dit, il faut qu'on fasse. Il m'a proposé ça hier, mais il m'a dit, il était délicat. Mais il a fait une prise d'otage avec qui ? Bah, je sais pas. J'ai pas posé de question. Il m'a demandé du renfort. J'ai envoyé du renfort. Donc c'est vrai qu'il a demandé du pognon. Et du coup, courage à lui, parce que dès que tu commences à prendre otage des gens, là, la police, elle va se mettre sur le cul. Oh putain, il me doit 666 des cocaïnes, y'a mis, y'a ma drogue. Tu penses que si il lui envoie GG pour les prises d'otage, il le prend bien? En tout cas, ils ont trois types qui sont safe dans un hélico, mais maintenant il y a course poursuite d'hélico. Ah, c'est une course poursuite d'hélico. C'est ouais, qui conduit, Bozo? Ouais, c'est Bozo. Ah, il va mourir. Adieu les Lost. Il y a un nouveau marché à prendre. Et il a récupéré la cocaïne. C'est une bonne nouvelle. Les Lost sont tous morts dans un accident d'hélico. Tu veux qu'on fasse une cargaison ce soir ou pas? Attends, il y a un type chelou qui vient d'arriver chez moi. Comment on fasse ton cours ce soir? Yo, t'es qui? Yo, oh merde. Oh pardon Ryan. J'ai rien dit. C'est le boss. Oui. J'ai vu une éléguie, j'étais pas prêt. Ah, quand je te rappelle, Miguel. Alors, bonne mort. Oui. Il vient de dire t'es qui au boss du cartel? Quoi? Il voit une éléguie dans son quartier, il va, il fait t'es qui? Oh pardon, il y a